Dio ha deciso di fare un privilegio. Non va con un di musica, non va parlare avec la parola di Dio. Cette occasion bien spéciale du jour de l'amitié. L'homme est tout naturellement un élément social. L'homme lui fait pour lui vivre en société. C'est ça qui fait dans toute activité de l'homme. Nous ne pouvons pas jamais le pour conduire. La société a été formée depuis que l'Éternel a senti nécessité pour être capable d'Adam, il y a un monde bon côté. Il a cherché le monde dans les temps de créature, dans les animaux, pas de monde qui est capable d'appeler avec Adam, et de comprendre qu'il faut que le détache des côtes d'Adam. L'idéal avec côte ça, l'incourner avec nous devant Adam, c'est la femme que le terreau met lui. Et puis voilà, une société de famille qui est formée de deux. Et mais nous-mêmes, nous avons dû former la génération qu'on a aujourd'hui. Dans toute vie, retournez-nous, nous devons toujours attendre l'homme dans une société. La société a des droits petits, dans l'église, dans une société que nous avons. Dans le travail, encore dans la société, dans l'école, c'est encore une société qui a fonctionné. Et dans chaque petit groupement social que l'homme veut dire, il y a toujours une affinité qui allait pour yon ou bien yon l'autre dans la société. Et bien, affinité qui allait tellement bien avec Mounsa que pour Mounsa, il y a des amis. Je dis, si nous là, c'est parce que nous croyons que non seulement en chrétien que nous réunis, bon, si ce n'est pas chaque jour, au moins chaque dimanche, nous sentons que il y a une nécessité. Pour nous manifester ça que nous gagnons, yon pour l'autre, pour nous témoigner de ça que nous gagnons, yon pour l'autre, il fait que je dis à jour ça n'est à part, nous sommes capables de faire toute manifestation, ça, toute démonstration. Ça. Mais en tant que chrétien, toute activité nous toujours campée sur la Bible. Nous avons qu'il y a un pire si nous n'avons pas de l'amitié sans que nous ne pas rentrer dans la Bible avec. Nous comprenons naturellement. Il a donné un message tout à fait raccourci, vu, bon, l'urgence, circonstance. Cependant, le message est quand même à passer. Message ça que nous avons présenté aujourd'hui, nous avons référé où dans le livre de Samuel, 1 Samuel, le chapitre 20, et c'est là que nous prenons un verset, le verset 40. Et un qui dit que les deux armées s'embrassèrent. Les deux armées pleurèrent. Et David surtout. Et le nous descendons plus bas. Au verset 42, deuxième alinéa, il dit que l'Éternel soit entre moi et toi, entre ma descendance et ta descendance pour toujours. Sans doute, dans une circonstance pareille, il est normal que tu apprends Jésus, moi mettez le camp devant nous comme le seul ami, le meilleur ami. Cependant, Jean Bouddha va trouver facile, car qui monde qui va connaître que Jésus est le seul ami. D'ailleurs, il tellement fait bagarre que personne n'a pas capable de faire dans la vie, pas besoin de l'autre ami de Jésus. Cependant, vous préférez quitter Jésus continuellement pour pouvoir soigner et nous voulons envisager d'autres figures de la Bible. C'est être naturel que à soigner, nous t'as descendre, caille, en pas avec Ruth, mettez-vous en face, belle-mère, pour te garder l'attitude de en pas qui va te révéler aux amis tout bon, tandis que Ruth, démontre-lui attaché à l'autre, au point que te dit, n'importe côté où aller, moi va aller tout, et côté où va demeurer, c'est là où va demeurer tout. Cependant, nous ne pouvons pas réunir sur l'air, et quelques bonnes secondes que nous allons passer ensemble, nous allons camper autour de Jonathan, le fils de Saül, en face à David.
ça, que nous joignent dans ce livre, le premier de Samuel naturellement, et nous te dit au bout verset ça, plus résumé l'histoire de l'homme. L'homme qui voulait marcher avec nous, mais c'est aussi longtemps qu'on a marché doucement, pas de marcher plus vite passé. L'homme qui embrassait vous avec tout cœur pour nos amis, mais c'est aussi longtemps que on n'a pas nos amis qui dépendent de lui, on n'a pas nos amis qui a brouillé. Texte là, mettez-nous au pied de la réalité de l'homme qui parle ouais. Il a fait grand bagaille pour faire nous briller. Immédiatement, bagaille a fait comme ça. Position l'homme ébranlé. Orgueil envahit que lui. Pas gagner l'autre bagaille que nous méritons, c'est la mort. David, au service du roi Saül, lui fait bagaille pour sauver le pays. Lui fait bagaille pour aider le roi à garder position. Même si nous ne pouvons pas énumérer tout ça que nous faisons, nous ne sommes pas capables d'oublier la grande victoire que nous avons remportée sur les Philistins pour sauver David. Et voilà que chaque fois que nous remportons une victoire, que le nom de David doit aller quelque part plus loin, ça vient susciter la haine, la jalousie de Saül qui fait que, avec l'autre bagaille, l'autre récompense qui est réservée pour David, c'est la mort. David, au courant de manœuvre que Saül a mené pour capable faire mourir. Saül fait déclaration en face de Jonathan, petit lit, mais Jonathan m'a fait voir que quelqu'un va parler de Dieu à ce point pour faire voir la mort de l'autre. Et lorsque nous avons commis d'accord, David est arrivé dans la position pour te mettre Jonathan. Au courant de ça que nous connaissons, pour faire connaître que papa, lui, Saül, voulait tuer lui, Jonathan dit non, c'est pas vrai, la décision que vous prenez, il a supposé connaître ça parce que vous prenez votre décision. Cependant, Saül connaît amitié Jonathan avec David, mais pas de grande chance, mais devant vérité, à comme ça qu'il connaît, il a balayé quoi, il a balayé sur notre place là. Et lorsque David a eu une bonne information, n'en est pas parlé au sujet de David, c'est le salut qui pousse qu'elle a partagé contre David. Alors il dit, mais papa, qui ça Jonathan fait? Alors, qui ça David fait? Je lui ai dit, papa, mais qui ça lui fait? Où c'est mon mourir, mais son mourir, ils ont fait la gérer en plusieurs circonstances. Quand nous faisons un arrangement avec la vie, du moins ça, Jonathan, quand nous faisons un arrangement, pour voir si David fait la vie paraître claire devant papa de Saül. Mais Saül, David est en position pour la défendre, papa lui encore, devant les Philistins, il remporte une grande victoire sur lui encore. Nous devons comprendre que dans le cas ça, au moins, papa n'a pas envoyé, il vient de là, il a vu la vie. Alors, on y est à Jonathan, voulait prouver à David, sans mis à que lui est mis. Moi, avec David, il fait pour les bagages de bruit. C'est tout pour que papa me dise oui, mais même pas de bruit. Il fait toute la de combinaison avec lui. Il n'a pas pour cette histoire-là, il a caché, il est loin. Papa a irrité, au moins que nos festins qui a fait, côté que papa donne David, quoi. En sorte de guerre à pain. David est fort, il n'est pas Jonathan, il n'est pas présent. Mais il devait être pour la première dans le troisième, deuxième fois, parce que c'est un couteau à jour. Au deuxième fois, le roi David, il est dié, même si c'est un état de continuer là. Tout ça, David, en tant que Zami, Jonathan, en tant que Zami, David, t'as deux vrais, il t'as pas besoin de David. En toute déduction logique que nous voyons, dans ces circonstances, peut-être nécessité qui est faite pour l'homme, nécessité qui est posée à l'homme.
nous sommes capables de vivre ensemble. Mais l'amitié est venue gagner une utilité tout dans la vie. Bien, mais la Bible dit nous bon que méfiez-nous de trois amis. La Bible dit nous, quand nous parlons de trois amis, plus amis que nous gagnons, c'est un jeu que vous venez. Même la Bible dit quand même que nous ne sommes pas capables de vivre sans amis. Livre des Proverbes, nous devons des amis. Il dit que plus mauvais bagage pour l'homme, c'est l'homme où tomber dans la route ou pas de personne qui pouvait le lever. Et un homme qui a des amis dans la ville, le manche qui a été redressé, et voit même qui a tombé, qui t'a même et de lever, il dit son nom, heureux, c'est un homme béni. David dit un homme béni parce que il était gagné, il est avec Jean ça. Caïn, Saül, Ennio, Eli, raison qui était existé en Jonathan, qui t'a sauvé la ville dans le moment que personne n'est pas capable de sauver la ville encore. Des vrais amis, des faux amis. Les faux amis, c'est ça que nous voulons les amis d'occasion. Les amis qui l'avaient pour sans doute pour capable de bénéficier de leur privilège, de leur avantage. Nous ne pouvons pas dire qui ont parce que la vie a sa belle sacrifice. D'ailleurs, c'est deux mots qui existent, vrai ou faux, bon ou bien mauvais. C'est ça ou bien c'est pas ça. Si nous parlons pour nos amis, c'est pour nous yon mauvais amis. La vie a plein mauvais amis. C'est ça qui fait. La Bible là, le sujet avec nous. Pour nous parler de la guerre quand nous avons nos amis, cependant, nous devons gagner nos amis. Je dis à si nous ici, c'est parce que nous étions croyants que ou croyons à l'amitié. Ou pas croyons seulement dans la réunion qui fait hebdomadaire, nous dimanche. Mais vous mettez aujourd'hui en spécial pour qu'à vous honorer les tout et vous honorer le monde ça qui dans la vie ou accepter comme nous avons. Sans doute, dans ce monde qui habite chita à mon côté, sans doute, c'est un monde qui est dans le caillou, car nous sommes dans le caillou. Et puis nous ne sommes pas songés. Nous ne devons pas être tout le temps pas songés. Gué Marie, gué madame. Mais gué Marie avec madame qui sont mis. Gué dans une pas songée comme ça. Ça dépend des circonstances qui te fait, jonction te fait. Si ce n'est pas comme ça que l'Éternel te prend en acte dans l'idée de changer en femme, et puis il te remet tout là, madame ça pas songée. C'est ça qui fait nous comprendre, madame qui vient d'être en bas. Dans la rue, dans un petit bagage qui pipite, oui, parce que il n'y a pas fait avec l'amitié. Même si l'amitié là, il pousse à parler. Avec genou, il y a avec bouche, mais avec cœur, il parle. La Bible dit que nous besoin de bons amis. Nos amis qui comprennent. Nous ne pouvons pas prendre l'exemple de Jésus qui dit tout le monde qui va observer le commandement, moi, je pas amis moi, ça c'est un lot. Parce que Jésus c'est Jésus, il est en position en tant que maître pour vouloir que nous marchions dans le d'après le principe de l'état. Mais si nous avons nous dit à vos amis, moi, il faut observer tout ça que nous disons. Et vous-même, qui condition pour nous en venir? Nous parlons dans lui. Tout ça, dit, moi, si nous avons fait tout ça, nous disons, c'est pour d'accord. Non, amis, nous là pour nous comprendre l'autre. Par l'avenir. Tu es capable de un gros différent, un gros tremblement, tu es capable de faire le monde passer et puis nous mettre le camp ensemble, nous-mêmes nous poser, nous discuter pour le bien de l'un et de l'autre. C'est ça l'amitié. Deux mondes qui prennent à supporter l'un et l'autre, deux mondes qui prennent à comprendre l'un et l'autre, l'un qui prennent à sacrifier la vie pour l'autre là. Et l'exemple de Jonathan, son exemple bien. Parce que tu es un carrefour qui t'est arrivé, côté que Saül te préférait menacer David de mort au lieu que t'as dit que Jonathan avait suivi dans le temps. Jonathan te préférait partir avec David dans le cachet. Il te dit, fais une bonne petite manœuvre. Et maintenant, tu as son idée avec lui. Donc, faut que tu aies détourné dans ce qu'il y a avec une flèche. Pour être capable de sauver David,
son petit garçon pas le connaît qui route la vie fait encore parce que lui mettant trois ans connaît dans ses vraies situations il va dire papa mais route la vie. Alors dans le cas ça David qui reconnaît que Jonathan c'était un ami tout bon que lui. Ils s'embrassèrent, ils pleurèrent, et Bible avance du tout, et David surtout, David pleurait plus parce que il est difficile pour nous de jouer un ami tout bon dans la vie. Donc là, nous jouons un ami ça, au lieu que nous rions. Préférez que nous crier parce que c'est un bagage tout à fait spirituel que nous y est. Et nous défait serment entre eux pour que nous ne jamais séparer l'un avec l'autre. Et que aussi longtemps que l'un et l'autre vivant, et que Dieu vivant, nous devons aimer les hommes. Ça fait que Mario, et nous devons mettre un saut dans le temps. Soit c'était mon Dieu, il était dit qu'il est capable de mettre des hommes tout le temps. Que le Seigneur aide-nous à repenser sur la vie de nous, dans l'entourage beaucoup de nous, dans le cadre beaucoup de nous, dans le travail, dans l'école et dans l'église là. Car l'apôtre Paul, apôtre de l'Éternel, scellé par le Saint-Esprit depuis ce jour-là, en péril par de faux frères. Ça veut dire, c'est pas ça qui a pris avec tout le temps qui oblige les familles. Et ça qui fait en différence, c'est que la Bible a fait, on va la comprendre ça. Et du coup, frère, si on a un gros besoin, nous avons la détresse, tandis que nos amis sont un gros besoin. Il y a une différence. Ou la comprendre, frère, c'est du bon besoin tout le temps. Il fait une différence entre nos frères. Quand on va mettre un frère, la personne va dire la famille. La propre côté qu'on a péril parmi le faux frère. Donc le Seigneur a réalisé le bien fondé de la vie et l'application même de la vie dans notre vie. En sorte que si nous vivons chaque jour, nous avons ces figures-là en modèle où est-ce que j'en ai agi et nous sommes capables d'agir toutes les actions possibles. Même l'autre va servir avec Jésus pour faire le fondement de mes salons, mais songez que Jésus est le seul à que le Seigneur.